Depuis Istanbul, Mahmoud Abbas lance un nouvel appel à la paix avec Israël et réitère son souhait d'arriver à une solution à deux États pour deux peuples. Des propos tenus dans le cadre du Forum économique mondial sur le Moyen-Orient, qui s'est ouvert en Turquie ce mardi. Le président palestinien affirme que son peuple est prêt à effectuer un sacrifice majeur en renonçant à la Palestine historique, allusion à l'époque mandataire d'avant 1948. Mahmoud Abbas estime que le printemps arabe a créé de nouvelles opportunités régionales et que les Palestiniens devaient à leur tour en bénéficier en obtenant leur indépendance. Il a néanmoins prévenu, cette opportunité ne sera pas éternelle. Plus explicite, le premier ministre turc Recep Erdogan a rappelé que la politique israélienne éveillait un sentiment de colère dans la région.